Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Dalida, ouais. Il venait d'avoir 18 ans. Une chanson assez exceptionnelle dans ce qu'elle raconte, l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années qui tombe amoureuse d'un garçon qui en a 18 puis qui, du coup, se sent un peu vieille. Je peux complètement comprendre ce qu'elle a senti. Alors, le deuxième extrait de ce nouvel album de Lara Fabian et Dalida. Merci. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. C'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour. Il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit j'ai envie de toi. Il l'avait vu au cinéma. Le blé en herbe, au creux d'un lit improvisé. J'ai découvert émerveillé un ciel super. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait déjà, vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'or que j'avais deux fois 18 ans, que j'avais deux fois 18 ans. Merci à Manu Picoire au clavier. Merci Manu. Merci beaucoup. Oh, c'est plein d'eau. Tu sais que j'ai 36 ans, moi. Ouais. Est-ce que ton chum en a 18? Non, il y a... alors ça va. Alors tout va bien. Le plateau s'est arrêté le temps de t'entendre, évidemment. Tu Est-ce que tu la chantes et tu joues aussi en même temps? C'est ça qui est prenant. Mais merci, Daniel. Merci beaucoup. Tu as toujours eu une facilité à transmettre tes émotions, à les laisser transparaître à travers ces chansons-là depuis... T'as commencé, finalement, c'est comme ça. Ben, tu sais, Serge Lama dit toujours, quand il m'écoute chanter, il dit « Tu es d'une impudeur absolue. » Il dit « Tu nous laisses rentrer dans ce que tu ressens. » Je peux pas faire autrement. Mais tant mieux, on en profite, nous, tant en tout mieux, cas. Merci. Pas de tournée au Québec prochainement, là-bas? J'espère. Oui. Apparemment, on est en train de monter, de mettre ça en place. Oui. Alors, en attendant, mettez la main sur l'album qui vient de sortir en magasin. Là, il y a une chanson de Catherine Lara, « Nuit magique », que tu fais en duo avec Coral Egan. Avec Coral Egan, qui est exceptionnel. On a une petite 10 secondes. Bye-bye. Nuit magique, une histoire du...